nous devons marquer notre temps, notre génération avec l'évangile. Amen. Ce n'est pas une affaire du passé. Jésus n'est pas dans le passé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Psaume 133, versets 1 à 3. Cantique de degré de David. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'autre version, c'est de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, d'Aaron et qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ici, c'est David qui parle. David qui était roi et prophète. Il parle dans ce psaume de l'amour fraternel. Il dit qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères, bien sûr des sœurs, de demeurer unis ensemble. Il parle ici de la puissance ou encore de la bénédiction qui découle du fait d'être unis. Dans le monde, nous voyons le monde même dire « l'union fait la force ». C'est encore plus dans le Seigneur. Dans Genèse chapitre 11, si vous lisez Genèse 11, à partir du premier verset, on nous dit que les hommes de la terre avaient une même langue et ils ont eu une pensée de se construire une ville et une tour dont le sommet touchait au ciel, ce qu'on appelle la tour de Babel. Ils étaient unis. Ils n'avaient pas la bonne pensée, ils n'avaient pas de bonnes motivations, mais leur union, leur unité les a poussés à bâtir quelque chose, à construire une ville et bien sûr cette tour existe jusqu'à aujourd'hui. Elle est bien sûr inachevée, mais c'était ça leur but. Et malgré le fait qu'ils n'avaient pas Dieu, Dieu savait que dans leur unité, quelque chose allait sortir de là. Dieu est descendu lui-même du ciel pour confondre leur langage. Ils ont cessé de bâtir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu veut que nous soyons unis. Amen. Dieu veut que son peuple soit un. L'unité selon Dieu ne veut pas dire que nous sommes semblables. On n'est pas pareil. Toi et moi, nous ne sommes pas semblables. Toi et moi, nous sommes différents. Toi, tu as ton caractère, tu as ton éducation, tu as ton parcours. Tu as, ici à l'église, il y a plusieurs nationalités. Chacun de nous a une culture dans laquelle il a grandi, évolué. Mais vous allez voir que dans toute cette diversité, Dieu veut que nous soyons unis par son esprit. Et c'est cette unité, c'est cette union de toi et de moi et de nous tous qui fait que la gloire de Dieu descende. Amen. Il dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer. Dis à ton ami, on doit demeurer ensemble. Dis-le lui encore, on doit demeurer ensemble. Vous savez, le diable fait tout pour nous diviser. Le diable fait tout pour nous séparer. Parce qu'il sait la puissance qui se cache derrière l'unité. Dans le livre de Actes chapitre 2, nous voyons le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient différents. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Mais ensemble, ils ont commencé à prier. N'est-ce pas que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Dieu dit je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible que si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose, il leur sera donné par le Père qui est dans le ciel. Et le diable sait que si nous sommes unis, malgré nos différences, malgré nos faiblesses, malgré les uns ont tel caractère, d'autres ont tel caractère, tout ça ce sont des choses secondaires. Mais le plus important, c'est Christ qui t'unit toi et moi. Je suis sûr que s'il n'y avait pas Jésus, il y a des gens peut-être avec qui tu n'allais pas t'asseoir ici. Ce qui nous unit ici, ce n'est rien d'autre que Jésus et Jésus seul. Amen. Et dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer. Frère, mon exhortation ce soir que Dieu m'a mis à cœur pour nous aujourd'hui, c'est que nous demeurions ensemble, que nous nous encourageons les uns les autres, que nous nous soutenons les uns les autres, que nous nous supportons les uns les autres. Quand on dit supporter quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est peut-être pas facile à supporter.
Mais supporte-le, supporte-la. Tiens, main dans la main, nous allons avancer. Car notre combat, ce n'est pas contre les hommes. Notre combat, c'est contre le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres est tellement bien organisé qu'ils arrivent à utiliser nos petites choses, les faiblesses pour nous diviser. Car il sait que si nous sommes divisés, il peut agir. Car une maison qui est divisée ne peut subsister. Mais dans l'unité, nous sommes forts. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ce soir, Dieu me dit de te dire, soyons unis. Touche ton voisin, dis, on doit être unis. Touche-le encore, dis, on doit être unis. Amen, amen. Tiens-le dans la main, dis, soyons unis. Dis, soyons un. Et bizarrement, il y a une onction spéciale qui descend lorsqu'on est unis. Tu as dit pour dire, moi j'ai l'onction, c'est vrai. Il y a l'onction individuelle que chacun peut avoir, mais il y a aussi l'onction corporative. Il y a une onction spéciale que Dieu déverse uniquement lorsqu'on est ensemble. C'est la raison pour laquelle la communion fraternelle dans la Bible est très importante. Quand le diable veut attaquer quelqu'un, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, la première des choses qu'il fait, il t'isole. Il veut que tu sois à l'écart. Ah non, moi même pas, moi ceci. Il va te bombarder avec les pensées, avec les idées, tout ça pour que tu dis non, je vais être à l'écart. Et quand tu es à l'écart, tu vas petit à petit sécher sans te rendre compte. Et un jour tu te rends compte que tu as tout perdu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé l'église. Ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé un corps. Et la pensée de Dieu, ce n'est pas que chacun soit dans son coin. La pensée de Dieu, c'est que nous soyons unis. Et la pensée de Dieu n'est pas seulement que l'église comme chef soit une église à part qui ne collabore avec personne. Ça, ce n'est pas Dieu. La pensée de Dieu, c'est que l'église chef a besoin de l'église Rehoboth. L'église Rehoboth a besoin de l'église, je ne sais pas, Impact Centre Chrétien. Là-bas aussi, tu as besoin d'être. Et ensemble, parce que nous avons la vision de Dieu, c'est là que nous allons gagner contre le grand combat. Frère, le diable est organisé, mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va déverser une onction spéciale parce que nous sommes un. C'est pourquoi ne nous tapons pas les uns les autres. Ne nous critiquons pas les uns les autres. Tu vois la faiblesse de l'autre, fléchis tes genoux, prie pour lui. Et si tu ne veux pas prier, va lui parler. Dis-lui, arrête ça, j'aime pas ça. Comme ça, le diable n'aura pas d'endroit où il va mettre son grain de sel. Parce que c'est comme ça qu'il travaille. Il le sait qu'une maison divisée ne peut pas subsister. Et la Bible dit qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, allez attendre à Jérusalem, dans la chambre haute. Attendez ce que le Père a promis. Alors qu'ils étaient ensemble, ils étaient dans la diversité, mais ils étaient ensemble. L'unité n'est pas l'uniformité. Être uni ne veut pas dire être uniforme. Tout le monde n'est pas Douglas, tout le monde n'est pas Juju, tout le monde n'est pas, mais tout le monde reçoit quelque chose de Dieu. Et ce que j'ai, tu en as besoin, et ce que tu as, j'en ai besoin. Et ensemble, nous avançons et nous remportons le grand prix. Et quand l'esprit est descendu, les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été un, unis ensemble, main dans la main. Alléluia. Et la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. Et dans la Bible, l'huile est l'image de l'onction. Vous savez, il dit quoi? L'onction de Dieu, l'huile sainte, répandue sur la tête. Et quand on est unis, Dieu commence toujours à faire un travail à partir de la tête. Amen. C'est pourquoi vous devez avoir la tête. Alléluia. Priez toujours pour que la tête soit connectée. Que la tête soit sensible. Que la tête puisse recevoir l'onction. Car lorsque l'onction coule sur la tête, ça ne coule pas d'abord sur le corps. Ça commence là-haut. Et lorsque l'onction coule, la Bible dit ça descend. Dis à ton ami, ça descend. Dis ça descend. Dis j'ai aussi ma part. Tu ne le dis pas avec beaucoup de vie. Dis, j'ai aussi ma part. Cette onction descend sur la barbe. Oh, tous les leaders autour, tous ceux qui travaillent dans les équipes, ça descend. Non seulement ça descend là, ça descend aussi sur les vêtements. C'est-à-dire, même jusqu'aux pieds, l'huile que Dieu donne va descendre. Amen.
C'est-à-dire, vous allez voir des gens qui viennent seulement ici, même si on ne les connaît pas, mais parce qu'ils demeurent dans le même esprit, ils sont connectés à l'esprit, quand ils vont sortir dehors, on va dire, mais non, ton langage te trahit, tu parles comme tel, tu agis comme tel. Pourquoi? À cause de l'huile, à cause de l'onction. Dans chaque église, Dieu donne une huile particulière. Dans chaque ministère, il y a un cachet, il y a un sceau, il y a une marque qui te distingue, qui fait que tu ne sois pas comme tous les autres. Et ici, Dieu va mettre aussi, il est en train déjà de mettre une marque de distinction. Je vous dis la vérité, une marque de distinction. Vous n'avez pas vu même les petits déjà, ils commencent à jouer à la batterie. Il a quel âge? 2 ans. 2 ans. Batteur professionnel. Ouais, tout à l'heure je priais pour lui, j'ai dit tu reçois l'onction. D'ici 2 ans, c'est lui qui va jouer déjà l'équipe de mardi. Oh, tu dis pas, mais la Bible dit, même sur les enfants, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Et même nos enfants doivent recevoir l'esprit pour quelque chose. Parce que c'est une onction corporative. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas une onction que Dieu donne au pasteur Douglas. Dieu nous donne à nous tous. C'est pour un but. Ce n'est pas pour que tu sois orgueilleux. Dis-moi, je suis spécial. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Je peux mourir, Dieu prend la même onction, il la dépose sur quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça nous maintient dans l'humilité de cœur. Amen, amen, amen. Qu'il est agréable. C'est pourquoi des moments de communion, c'est des moments qu'il faut aimer. Les premiers chrétiens, la Bible dit, ils persévéraient chaque jour. Chaque jour, ça signifie quoi? De lundi à dimanche. Mais nous ne pouvons pas, vu nos occupations, tout ce que nous faisons, nous retrouver chaque jour. Mais les jours où tu sais qu'il y a réunion, qu'il y a rencontre, cours. Quand tu es au travail, cours. Quand tu es dans ton activité, cours. Dis, je vais rencontrer mes frères. Parce que quand je te vois, je vois la gloire de Dieu en toi. Je suis fortifié, je suis encouragé. Quelquefois nous sommes fatigués. Quels que soient les problèmes de la vie, nous épuisent, nous lassent. Mais lorsqu'on voit les frères et sœurs, on est encouragé, on est fortifié. C'est ça que David voulait dire ici. Et c'est ça qui a fait la force des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens n'étaient pas forts parce qu'ils priaient, parce qu'ils prêchaient fort. Non, ils étaient ensemble. Ils étaient unis. Quand ils étaient persécutés, ensemble, ils se réunissaient, ils priaient. La Bible, ils levaient la voix comme un seul homme et Dieu descendait. Et c'est ça la force. Ne reste pas seul. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message, cette exhortation, mais ne reste pas seul. Ne te mets pas à l'écart. Implique-toi. Si tu es là, tu ne fais encore rien dans l'église. Dis-toi, je dois m'impliquer dans quelque chose. Faire avancer l'œuvre de mon Père. Et là, tu verras. Plus tu vas le faire, plus la main de Dieu sera sur toi. Alléluia. Alléluia. Qu'il est agréable. Et Dieu répand cette onction. Et au verset 3, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et regardez au verset, la fin, il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Qui veut être béni? Qui veut être béni? Moi le premier. La Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il n'envoie pas la bénédiction quand tu es seul. Non, c'est quand vous êtes unis ensemble. Parce que quand les projets de Dieu sont réussis, Dieu peut faire réussir ton projet. Amen. Amen, amen. Alors j'ai un petit témoignage. J'avais donné un témoignage ici. Vous savez, j'encourage aussi l'église, les frères et sœurs à entreprendre, à travailler, à monter des structures. Moi-même, j'ai une formation de 2 semaines où c'était très intense. Et j'ai passé l'examen, je vous assure, c'était vraiment chaud. La tête a chauffé. J'ai prié en langue, mais c'est comme si c'était compliqué. Mais heureusement, j'avais étudié. Parce qu'il y en a qui mettent tout sur le dos du Saint-Esprit. Si tu n'as pas étudié, tu vas échouer. Moi, j'avais étudié. Ma femme, elle peut vous dire, j'ai fait une nuit blanche. J'ai étudié, étudié. Et puis, tellement que je n'avais pas tout lu, j'avais même perdu quelques cours, j'ai dit Saint-Esprit, tous les cours que je n'ai pas lu, ça ne vient pas. Et ça a marché, ce n'est pas venu. Nous étions 800 à passer l'examen. Et dans mon département, 94, on était plus de 200. Il n'y a que 4 qui ont été retenus. Mon nom est le 2e. Alléluia! Donc là, on se prépare maintenant pour mettre les choses en place. Non, c'est pour dire quoi? Là, Dieu, je dis à Dieu, Dieu, regarde, je m'occupe de ton œuvre, je m'occupe de tes enfants. Je suis fatigué, je suis un homme aussi. Aide-moi, s'il te plaît. Et Dieu aime ça. Quand tu... Il faut le titiller, c'est un papa. Hein? Tu le titilles un peu comme ça, il dit, mais aide-moi un peu, Seigneur. Et je vous assure, moi j'ai fait ma part. Et là où j'étais limité, j'ai dit, Seigneur, maintenant fais ta part.
Et je crois que les bonnes choses arrivent. Amen. Parce que je prophétise, avant 3 ans, nous devons acheter notre endroit. Et pour acheter, il faut de l'argent. Ce n'est pas d'aller parler en langue. Amen. Amen, amen. Oh, tu ne dis pas amen, hein? Oh, c'est du cash. Moi, je veux des gens qui vont venir, pasteur, je sème 50 000 euros. Oh, tu n'as pas la foi, tu n'as pas dit amen. Ah, 100 000, hein? Ah, moi, ah, lui va s'aimer 100 000. Bon, 150. On va faire. Alléluia. Mais il faut créer, il faut faire des trucs. Voyez? Et petit à petit, Dieu nous aide. Voyez? Ceux qui connaissent l'histoire de l'église savent. Jacqueline, tu sais où on a commencé. Tous les débuts, tous les trucs qu'on a eus. Mais Dieu est toujours fidèle. Amen. Dieu est fidèle avec ses enfants si on veut être fidèle. La Bible, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. C'est là où son intérêt est respecté. Là où l'intérêt de Dieu est recherché. Là où ses enfants sont unis. Lorsque nous nous unissons, nous prions ensemble, frères. Peut-être que vous ne le voyez pas dans le monde spirituel. Il y a des désordres spirituels dans le camp de l'ennemi qui se passent quand les enfants de Dieu sont ensemble. C'est pourquoi vous voyez souvent quand il faut venir au culte, souvent il y a des obstacles, tout ça. C'est parce que le diable ne veut pas. Chacun peut prier chez lui, c'est possible. Mais oui, mais pourquoi il dit de demeurer ensemble? Il faut quitter chez soi. Soit ensemble. Tu amènes ton feu, j'amène mon feu, elle amène son feu et ça fait que le foyer sera grand. Amen, amen, amen. Amen. Dieu dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Hébreux 13, verset 1. Je termine là. Hébreux 13, verset 1. La Bible dit, persévérez dans l'amour fraternel. Je m'arrête là. Persévérez dans l'amour fraternel. Qu'il est agréable. Si la Bible dit persévérer, c'est que ce n'est pas facile. Parce qu'on ne peut persévérer que quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves. Donc, maintenir la communion fraternelle, il y a un prix à payer. La persévérance. Parce que le diable, vous savez qu'est-ce que le diable, comment est-ce que le diable fonctionne? Surtout lorsqu'il y a les hommes, il essaie de créer des petits problèmes. Il essaie d'amener les gens, d'amener l'animosité, l'amertume, hein, faire en sorte que tel ne supporte pas tel, tel autre ne supporte pas l'autre. Hein. On peut être dans une même équipe, on ne se supporte pas. Et lui, il aime comme ça pour que cette onction-là se vaporise. Mais lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est un, quand bien même l'autre m'a fait du mal, il dit je te pardonne, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Et on se croit, dit tu m'as fait du mal, mais je t'aime. Amen, 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 amen. Tu ne vas pas demander à ce qu'on t'aime d'abord. Toi tu aimes. Parce que si tu réclames, c'est que tu estimes que tu as plus que l'autre. Oui ou non? J'ai l'amour. Alors si toi tu n'as pas, je te donne mon amour. Oh non, ça c'est un petit problème. Oh. Souvent, vous savez, quand on règle même les problèmes en tant que pasteur, vous le voyez. On a tendance à grossir l'affaire. Mais quand on s'assoit pour régler, on se rend compte que c'est une petite histoire. Et tout ça, c'est quoi? C'est le diable qui essaie de grossir pour que les uns les autres soient mécontents. Et si on est mécontent, eh ben, chacun voudra être dans son coin. On ne fera pas les choses comme il se doit. Et ainsi de suite. Et qui gagne? C'est le diable. N'oublions pas que nous sommes en guerre avec lui. Amen. Et Dieu m'a dit, demeurons, persévérons dans l'amour fraternel. Tiens ton ami, dis-lui persévère. Tiens-le dans la main, tiens-le. Tiens-le, dis-lui persévère. Non, regarde l'enfant, dis-lui persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Amen, amen, amen. Et dis-lui aussi, dis-lui, tu as de la valeur. Non, j'aimerais que tu le lui dises, tu as de la valeur. Peut-être qu'on est là, on se dit, non, moi je viens, on ne me connaît pas, tout ceci. Tu as l'impression que tu ne vaux rien. Non, même si tu n'es pas dans un département, tu as de la valeur. Tu as de la valeur parce que Jésus vit en toi. Ce n'est pas parce que tu sers d'abord, parce que tu es en communion avec Dieu. Le plus important, c'est la communion. Le service vient après. Persévérons dans l'amour fraternel. Amen. Gloire à Dieu. Revêt-nous d'une onction nouvelle. Alléluia. Souffle sur nous.
lever, se tenir les mains. Et nous irons influencer, et ramener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église une onction nouvelle. Encore rêvez-nous. Souffle sur ton
Église, souffle sur ton Église, Seigneur. Souffle sur ton peuple, mon Dieu. Nous t'en supplions, nous t'en prions. Seigneur, souffle. Seigneur, souffle. À cette résurrection. Oh oui, un renouvellement. Un renouvellement dans le cœur. Un renouvellement dans l'engagement. Que le faible devienne fort. Que celui qui était tombé se relève. Que celui qui est à terre soit relevé. Que celui qui était courbé soit redressé. Seigneur, souffle. Seigneur, souffle. Oh, une onction nouvelle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, souffle. Seigneur, souffle. Seigneur, souffle. Alléluia. Nous te prions. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Oui, souffle, Seigneur. Oui, souffle, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour notre bien, Seigneur. Bénis ton peuple. Souffle. 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 Ouvre le ciel, que ton esprit descende. Seigneur, souffle. Chante avec moi. Dis, Seigneur, souffle dans ton église. Une onction nouvelle. Dis-nous, souffle, Seigneur. Puis nous te supplions. Nous te désirons. Nous t'appelons. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, Saint-Esprit. Viens marcher au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes morts. Arrive. Nous voulons lever la tonne. La bannière du nom de Jésus. Souffle. Souffle. Sur ton église, une onction nouvelle. Acclamons-le, acclamons-le, Seigneur. Seigneur, souffle. Seigneur, souffle. À cette résurrection, nous voulons donner naissance. Donner naissance aux grâces ministères. Donner naissance à d'autres églises. Donne naissance, Seigneur, une expansion et une croissance selon l'accélération de l'Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons aller de l'avant à tous égards. Nous voulons voir ta gloire et nous voulons voir ta main puissante. Seigneur, souffle sur ton Église une onction. Merci Seigneur, merci d'unir ton peuple Seigneur ce matin, ce soir. Merci, nous mettons l'ennemi de nos âmes dehors. Nous prions pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là ce soir. Et nous prions pour ceux-là qui sont fatigués, qui sont peut-être dans les maisons, ceux-là qui sont découragés, qui ont perdu même le désir de servir Dieu. Là où ils sont, visite-les mon Dieu. Là où ton peuple se retrouve, là où ils sont enfermés dans des tombes. Nous brisons les portes de cette tombe et nous les libérons maintenant au nom de Jésus. Libère ton onction, libère ta gloire et ta présence. Ceux qui sont en déplacement, dans des vacances, laisse que comme l'Esprit était tombé sur les 70 anciens, Eldad et Médad étaient en dehors. Laisse que là où ils sont, que l'Esprit de Dieu tombe sur leur vie. Oh, Shalabalaba. Car c'est toi qui nous unis, Père. Ce n'est pas une unité charnelle, mais une unité dans le Saint-Esprit. Cette unité qui amène l'ordre et la discipline, qui amène la crainte de Dieu, la sainteté. Et nous voulons toucher le ciel. Viens nous faire du bien. Bénis ton peuple, bénis ton église. Tu connais le besoin de chacun, le challenge de chacun. Viens te manifester. Que personne ne laisse perdre louange sans être touché par toi. Visite chacun d'entre nous, autant que nous sommes. Visite-nous, bénis nos familles. Bénis nos affaires, nos projets, nos entreprises. Amène-nous plus haut, plus loin. Que nous puissions avancer, aller de l'avant. Seigneur, 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 souffle sur ton Église.
une onction nouvelle, une onction, une onction. Oh oui, je le prie, je le demande, je la réclame, Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, le temps arrive où je ferai une œuvre que personne ne croirait si on la racontait. Je vois dans l'Esprit comme si toutes les choses nous ont été déjà données. Dieu me dit, je vous ai déjà tout donné. Allez, allez, faites mon travail. Allez, faites mon travail. Allez, faites mon travail. Plus tu travailleras, plus tu verras comment Dieu va t'étonner. Plus tu t'engageras, tu te leveras, tu verras comment Dieu va te surprendre. Dieu, il a dit, il veut le faire pour te montrer que ce n'est pas toi, mais c'est lui. Il veut utiliser ta faiblesse. Il veut utiliser tes incapacités, car lui-même veut te rendre capable. Il va te rendre capable. Il va te rendre capable. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce peuple. Merci parce que ce peuple est tellement précieux pour toi. Et je te rends grâce pour la vie de tout un chacun. Je te rends grâce et je te bénis. Merci pour des manteaux nouveaux. Merci pour des grâces excellentes. Merci pour des ouvertures, des opportunités dans les affaires, dans la vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.